Bon, mes bébés, là je suis en route. Je vais chez le coiffeur. J'attendais ce rendez-vous avec impatience, mon petit bébé. Et le coiffeur là où je vais, il est super connu à Dubaï. Sa spécialité. On verra, je vais tester. Des influenceurs aussi qui ont testé. Je vous montrerai les résultats à la fin. Ce coiffeur, il est super connu à Dubaï. C'est Yousra qui me l'a recommandé. Et là, on va commencer. Mes bébés, regardez comment il est fort. Oh, c'est magnifique ce qu'il m'a fait. Il m'a enlevé tout le orange. Il m'a fait ressortir, oh là là, des mèches comme ça. Oh, c'est trop beau. Thank you, mes maîtres. You're welcome. Mes bébés, regardez comment il est fort. Oh, c'est magnifique ce qu'il m'a fait. Il m'a enlevé tout le orange. Il m'a fait ressortir. Oh là là, des mèches comme ça. Oh, c'est trop beau. Thank you, mes maîtres. You're welcome. Bon, ça y est, mes bébés. J'ai fini mes cheveux. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop satisfaite. C'est trop beau, trop. Là, ça va encore dégorger, m'a dit. Donc, j'ai re-rendez-vous. Dans 10 jours banque, ensuite coiffeur. Puis au final, je suis partie au coiffeur ce matin, mais ça a duré plus longtemps que prévu. Sauf que ma banque, elle ferme à 15h30. Demain, je sais pas si je vais pouvoir y aller. Parce que demain, j'ai rendez-vous avec mon architecte. Donc ce sera peut-être pas grave. De toute façon, ça va rien changer. Le problème que j'ai. Voilà. Donc là, je rentre à la maison, je vais me faire à manger. Il est 16h, j'ai toujours pas mangé. Et je sais pas, j'ai trop envie, j'ai des envies, j'ai envie de manger des escalopes à la crème avec du riz. Donc je rentre me faire à manger. Franchement, Yousra m'a présenté un coiffeur de dingue. Il m'a enlevé tous mes reflets, mes bébés. Vous avez vu, hein, j'avais les cheveux orange, j'avais des mélanges de blond et tout. Je lui ai dit en bas, je veux rester genre un peu clair, mais enlève-moi tous les reflets et tout, et les racines, ben, je voulais les foncer quoi. Et là, c'est vraiment une couleur qui m'a fait sur les racines. Alors que la dernière fois j'avais fait une patine, c'est pour ça que ça avait dégorgé. Allez, j'aime trop trop dégorger, ça va éclaircir. Et si je veux vraiment garder ce résultat, il m'a dit de revenir dans 10 jours. Voilà, il faut que je sorte mes enfants aussi. Putain, je suis trop dingue d'avoir raté mon rendez-vous à la banque. Je devais aussi aller déjeuner avec ma copine. Je pensais que ça allait durer genre 1 heure. Au final, je crois que ça a duré 4 heures. J'aime trop 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 trop. Je me retrouve là, mes bébés.
Bonjour, bonjour toi, bonjour maman. Et bébé, comme j'aime mieux là ma couleur. Bref, je vous explique. Là, je vais faire une douche. Je suis en nage, mes bébés, en nage. Il fait trop chaud dehors. Je supporte plus cette chaleur. Moi, je vais mourir. Je vais tomber dans les pommes. Et je vais me faire à manger. J'ai trop faim. Ça y est, mes bébés, j'ai fait ma douche. Oh là là, j'avais trop chaud. Là, je vais me faire à manger. J'ai trop faim, mes bébés. Il est 9h. Et j'ai même pas mangé encore. Moi, j'aime pas trop manger. Manger dehors, commander tout le temps et tout. J'aime trop le manger de la maison. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? On va faire à manger, maman? On va manger? On va manger? Je vais faire du poulet à la crème. Avec du riz. Bon, du coup, je vais faire à manger. Là, je décongelais le poulet. Par contre, mes bébés, c'est ma cuisine. Je sais pas où sont rangées les affaires. Je cherche la planche à découper. Je fous les placards. En fait, cette maison, ça fait 5 mois, je crois, que j'y habite. Mais j'y habitais, je crois, que 1 mois. Du coup, je sais pas où aller la planche à découper. Si je mange pas, je tombe dans les pommes. Je suis comme ça, là, je tremble et tout. Non, là, je t'ai pris le... Voilà, le chipperwear. La tête de ma mère, je la trouve pas. Ici. Ah. C'est bon, c'est là. Alors, regardez mes bébés comment je fais mon riz. Là, j'ai mis beaucoup de beurre, mais vraiment genre 2 morceaux comme ça. Regardez, j'ai mis tout ça de beurre. Hop là, et j'ai mis un bol de riz. Un verre de riz, pardon. Et là, je le fais bien revenir dans le beurre. Et là, le feu, il est fort. Hein. Je fais bien fondre le beurre. Pas beaucoup à manger, parce que je suis toute seule à manger ce soir. Ah, et moi, je le lave pas, le riz. Ensuite, je mets 2 tasses d'eau. Là. Et une fois que le beurre il a bien fondu comme ça, je fais revenir une minute. Et j'ai baissé le feu. Je m'assette. Voilà. Deux tasses d'eau. Et moi, quand ça bout, je referme. Je mélange bien. Et après, il y a beaucoup de beurre dedans, c'est trop bon. Et là, je mélange. Et dès que ça bout, je recouvre. Voilà, le riz, c'est fait. Moi, je vais couper mon oignon. Je vous jure, depuis toute la journée, j'avais envie de manger... je suis trop mal au poignet, désolé. J'avais envie de manger du... J'ai plus de force, parce que, en fait, j'ai mal. Et je force quand même dessus. On m'a tordu le poignet. Bref, toute la journée, j'avais envie de manger des escalopes à la crème. Ma crème, je vous jure, c'est la meilleure au monde. C'est la meilleure recette du monde. Il vous faut seulement des oignons, du poulet, des escalopes de poulet. Il vous faut du cubord et de la rhum magie. Je vous jure, elle est incroyable. Mais je vous montre comment faire. C'est pas qu'elle soit blanche. Moi, j'aime pas quand la couleur, elle est blanche. J'aime quand elle est un peu marron. Eh, mes bébés. C'est la meilleure. Tout le monde me le dit. Mal, j'ai plus de force. Je crois que je vais mettre une attelle. Hein. Avant, mes bébés, j'achetais les oignons congelés quand j'habitais à Damac. Mais là, à Carrefour, j'en trouve pas. J'ai trop faim, mes bébés. J'ai tellement faim que je me retiens sur une assiette comme ça. Comme ça, je mange bien. Moi, j'ai un défaut, c'est que je mange une fois par jour. C'est pour ça que j'arrive pas à grossir et que je fais que maigrir. Hop là. Je mange bien, genre une fois par jour, genre vers 18h. En attendant, c'est super quand même. Quand je me levais tard, et là, le problème, c'est que mon corps, il a l'habitude, parce que je me lève tôt, et regardez, je mange une seule fois par jour à 18h. J'ai rien dans le ventre. J'ai que du café dans le ventre. Du café au lait. Là, je suis en train de couper mon poulet, mes bébés. Moi, le poulet, j'enlève vraiment tout le gras, toutes les veines. Hop là. Tout le sang et tout. Et j'aime bien quand il est coupé en petits. Et la sauce, moi, j'aime bien quand elle est pas blanche, quand elle est un peu marron. Je vais vous montrer comment je fais. Toujours, mon poulet à la crème, il est incroyable. Tout le monde me le dit, mes bébés.
Mais bébé, mon riz, je l'ai goûté, il est incroyable. Et là, en fait, comme on a mis beaucoup de beurre au début, enfin, comme j'ai mis beaucoup de beurre au début, eh ben, pas besoin de mettre du beurre. Il est incroyable, il est trop bon, il a le goût du beurre. J'ai rajouté du sel, là. Je vous jure, mon riz, il est trop bon. Trop bien cuit. Plein de beurre. Moi, je vous explique. Je redemandais à tout mon entourage. Je demandais à Kram, à ceux qui ont vécu avec moi, à Marie et tout. À ma mère même. Je l'ai choquée, ma mère. À ma matrice et tout. Je cuisine jamais, mais quand je fais à manger, c'est trop bon. C'est trop, trop bon. Là, je vous montre comment je vais faire ma crème. Alors, moi, je mets du beurre. Je mets aussi de l'huile d'olive. Voilà. Et là, je vais faire revenir mes oignons. Et là, je rajoute ma viande. Bon, j'ai pas mis beaucoup de viande. J'ai congelé juste. Vous voyez, mes bébés, le poulet, genre moi, je le fais bien, bien cuire. Encore là, il est pas assez doré. Comme ça, la sauce, elle est bien. Elle est pas blanc, genre. J'aime pas quand c'est blanc. Ça sent trop bon. Et là, je rajoute un cube, mes bébés. Je mélange bien. Trop bon. Après, je mets un peu d'arôme magie, pas trop parce que c'est salé. Et maintenant, je me elle va être un peu marron la sauce. Regardez ma sauce, incroyable ma sauce. Je vous jure, mes bébés, incroyable, la meilleure au monde. Bébé, j'ai trop trop faim, mais ça a l'air trop trop bon. Non mais j'ai goûté, c'est trop bon. Je vous jure, je suis pas du tout haïchée. Donc quand je cuisine, je mets du beurre partout. Je suis comme mon neveu. Tu as goûté le poulet? À maman? Aïe, comme c'est bon. Oh là 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 là. C'est trop, ces chiens, c'est des stars. Ce matin, je leur ai donné le poulet comme ça. Ils n'ont pas touché les deux assiettes. Ils m'ont vu manger, je leur ai donné. Écoutez bien, quand Hermès, lui, il n'a pas voulu, j'ai donné à lui. Quand j'ai donné à Hermès qu'il a mangé, il a mangé. Et maintenant, en fait, ils veulent manger en même temps que moi. Voilà, je leur donne. Il faut que je leur donne. Sinon, ils ne mangent pas. L'assiette, elle était comme ça dans la cuisine. C'est pas possible. Elle vous a trop rendu star, Romana. Ça suffit, hein. Vous savez, elle leur fait quoi, Romana? Des massages. Parce qu'Hermès, il adore les massages. Elle leur donne à manger à la main. Elle les a rendus stars. Ça veut dire toute la journée, ils n'ont pas mangé. Regardez, ils n'ont rien mangé. Regardez. Là, ils ont fini. Je leur ai donné. Ce matin, j'avais fait deux assiettes. Ils n'ont rien mangé. Voilà, c'est encore là. Là, je vais leur donner. Mais là, ils mangent. Regardez. J'ai massacré mon sol à cause d'eux. Ah, ma boulette. Allez, mes fils. Aïe, comme vous êtes beaux. Aïe, maman. Bébé, je me suis posée. Au début, j'étais dans le noir. Là, j'allumais la lumière. Parce qu'en fait, il est 18h45 et j'ai peur de m'endormir. Je suis trop fatiguée. Et si j'éteins, je vous jure, je m'endors. Je suis à bout. Je suis allongée par terre, regardez. Voilà. Je vais cagner. Vous savez pourquoi? Parce que mon énergie, on me le pompe. Je n'ai plus d'énergie. Bon, je me suis relevée. Je vais promener mes chiens, mes bébés. Je les sorte. On va dehors? On va dehors? Regardez comment ils sont heureux. On va dehors? Allez, on va dehors? Les gens, ils me ramènent à Salaès. Regardez Romana, alors, c'est quoi? Ça, c'est Romana. Genre, avant, ils avaient un collier de chien, et là, ils ont acheté ça. En plus, ils avaient un collier de bouton, je sais pas où elle les a mis. Regardez comment ils sont excités. Et Romana, elle connaît pas les marques, je sais pas c'est quoi le bouton Hermès et tout. Allez, oui, on va dehors, les gars. On se mêle.
Allez, c'est ma dernière énergie pour vous. Allez, un ici. Là, viens là. Viens, doucement. Douce, tranquille. Ça va, ils sont pas trop excités. Allez. Je sais même pas comment on met ça. Comment ça se met? Allez, mon fils. Mettez pas. Ah non, comme ça. Viens, maman. Tranquille, Hermès. Tranquille, maman. Mets ta patte. Mais là, il s'étouffe. Comme ça. Non, c'est à l'envers, je crois. C'est sur le dos. Qu'est-ce que tu as? Il est fou. Qu'est-ce que tu as, maman? Je sais, bébé, je sais pas comment ça se met. Derrière? Smell-le. Qu'est-ce que tu as? Wesh. À mon avis, c'est ça, comme ça. Hein. C'est ça dans le ventre. Hein. Attends, Hermès, arrête. C'est ça, hein. Ok. Je vais faire attention. Hermès, qu'est-ce que tu as? Allez, toi, c'est fait. Viens là. Hermès. Mais Hermès. Viens, Hermès. Hermès. Il aime trop l'odeur, mon fils. Attends, maman. Mais mets-toi sur tes pattes. Regardez ce mal-là. Regardez. Ah non mais Hermès, si tu bouges partout, comment je te la mets? Tu vas voir. Good boy. Regardez ce mal-là. Qu'est-ce que? Hermès, il y en a affolé de dehors. Ah, ça suffit. Pourquoi il a affolé comme ça? Genre, toi, tu t'en fous, mon fils, t'es pas un affolé. Hermès, arrête. Qu'est-ce que t'as, mon fils? Toujours, il fait ça quand tu sors, Hermès. Donne. Good boy. Good boy. Le bébé, c'est Hermès, il me pousse. Il est fou. Regardez-le. Voilà. C'est lui qui mène la meute. Mais bébé, j'ai sorti des chiens, je suis en neige, il fait trop chaud. Il fait lourd en fait. Ouais, je vais pas tarder à aller me coucher, en plus là j'ai la bonne fatigue. Demain j'ai plein de rendez-vous. Et j'ai un petit rituel. Tous les soirs je mange de la glace au yaourt, j'aime trop ça. On va dehors ? C'est quoi cette beauté ? C'est quoi cette touffe ? Mon amour ! Mais tu Ça, c'est quoi cette bouille là et sa maman? C'est la bouille de sa maman et toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon fils? Mon fils! Petit lionceau! Il a soif, mon bébé. Bon, mes bébés, ici à Dubaï, il est 21h30. Je suis déjà au lit. Ça y est, je suis devenue. Je suis devenue quelqu'un de... Je suis devenue une couche pour mes bébés. Alors qu'avant, je dormais très tard. Mais maintenant, je prends mes rendez-vous le matin. Je vous jure, mes bébés, c'est de l'inédit. Mais vraiment, avant, je prenais mes rendez-vous à partir de 15h.
Là, je prends mes rendez-vous à partir de 10h du matin. Je suis trop fière de moi. Bref, je suis contente. En plus, ma couleur, j'aime trop. Parce que moi, en fait, j'aime pas le noir corbeau. J'ai déjà essayé, mais genre le noir, la couleur noire, ben, je trouve que ça fait trop... je sais pas, je trouve ça pas beau. Moi, avant, quand j'étais brune, c'était ma couleur naturelle, mes bébés. C'est trop beau. Et là, ben, cette couleur, je trouve que c'est beau. Parce que genre les racines, elles sont foncées, mais en bas, c'est clair. Je trouve ça trop beau. Et j'ai une question, est-ce que vous habituez? Parce que là, pendant tout cet été, j'étais claire. À un moment donné, j'étais blonde carrément. Vous habituez là au fait que j'ai refoncé mes cheveux? Hello my love. Morning. Ils sont où mes bébés? Ils sont où? Where is the dog? Bonjour mes bébés, how are you my love? Hi. Good? Yes. Hihihi. Mon amour! Pectelioso! Thank you my love. Yes. Yes. Ma boulette! Yes. Et alors mon fils le plus beau du monde, le plus beau des lionceaux? Dior? Christian Dior! Quand je suis énervée, je l'appelle Christian Dior. Mais c'est quoi cette position, mon fils? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon fils? Ça va, maman? T'es vraiment le plus mignon, le petit garçon. Bonjour, mes petits bébés d'amour. J'espère que ça va. Écoutez-moi, ça va. Ce matin, j'ai rendez-vous à l'architecte. Là, faut vite que je me prépare. Vous avez vu, je suis très, très matinale en ce moment. Et je prends même mes rendez-vous le matin. Bref, qu'est-ce que j'allais vous dire, mes bébés? Mes bébés, je suis... En fait, je sais pas si je suis enceinte. En fait, j'aimerais trop. De toute façon, mes proches le savent. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et là, je sais pas. Je peux pas savoir parce que... il faut attendre pour savoir, quoi. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai posté la photo hier soir. Franchement, j'aimerais trop devenir maman. Bref, je vais me préparer. Ma couleur, franchement, j'aime trop. C'est trop bon, bébé. Là, je viens de démêler mes cheveux. Hop là. Aujourd'hui, je vais les lisser. Je vais arrêter. Hier, il m'a fait des boucles, le coiffeur, il m'a fait des boucles. Je mets jamais de lac. Et vous savez quoi, mes bébés? Depuis que je suis plus une fêtarde comme avant, parce qu'avant, je faisais la fête au moins 5 fois dans la semaine, et que du coup, je bois plus d'alcool, je trouve que je suis plus belle, mon visage, il est plus beau. Là, je me réveille le matin, je n'ai pas l'air fatiguée, je ne suis pas gonflée, je ne suis pas bouffie. Je ne sais pas pourquoi l'alcool, ça me gonflait le visage. Et vous savez, mes bébés, je n'ai toujours pas arrêté la prière. Donc là, je vais me laver et tout le monde. Je fais ma prière, je me prépare et je sors. Franchement, je suis trop contente de ma couleur. C'est trop beau. J'aime trop. Ce matin, j'ai perdu une extension. Je vais la ranger. Mais j'ai pas perdu de cheveux. Que l'extension. Bon, je suis en train de me préparer, mes bébés. J'ai mis juste un petit haut, un petit crop top, un petit legging. Ça m'a évité, je voulais mettre une robe, je me suis dit non. Là, aujourd'hui, j'ai plaqué mes sourcils. En plus, j'ai mon gros lift. J'utilise la Anastasia Beverly, vous savez, la cire. Alors, j'en mets comme ça. Et après, je viens les plaquer vers le haut. C'est trop beau. Et je mets plus de crayon et tout. Voilà. Je fais la même chose ici. Alors celle-là, elle est très bien, plaque bien. Mais le problème, c'est qu'elle fait briller les sourcils. Si vous connaissez une autre marque, franchement, je suis preneuse. Une qui plaque bien, qui tient bien, mais qui fait pas briller les sourcils. Surtout qu'à Dubaï, il fait très humide. J'ai lissé mes cheveux, mes bébés. Là... Maquillage rapide. Hein. Un peu d'anti-cerne. La blush. Hop là.
Je descends bien en discerne comme ça mon bronzer il tient. Et mon bébé, j'aime trop faire tourner. Quand je les ai bouclés hier, ils sont un peu bizarres. J'aime trop faire tourner ma maison. Je suis mon premier étage et en bas, au rez-de-chaussée. Trop important. Je protège ma maison. Vous savez, moi, je suis pas superstitieuse. Mais mon ancienne maison, mes bébés, celle où j'habitais avant d'habiter ici, je vous jure. Elle était hantée. Je me sentais trop mal là-bas. On dirait que j'avais la poisse. Je sais pas, il y avait des mauvaises ondes. Il y a des maisons comme ça qui a des mauvaises ondes. Et celle-là, de trop bonnes ondes. Je me sens trop bien, mes bébés. J'aime trop rester à la maison. Mauvaises ondes. Et jusqu'à mes 16 ans, mes bébés, j'ai jamais dormi toute seule. Je dormais avec ma mère jusqu'à mes 16 ans. Tout le monde me faisait peur. Donc là, c'est important de purifier. Voilà. Vraiment, quand je me maquille, genre vite fait en journée, je me maquille vraiment en soleil. Je dose la poudre libre. Tellement il fait chaud. Et moi, il y a bien un truc que je déteste, c'est briller. Même sur moi, je trouve que... Les maquillages glowy, ça me va pas. Ça, je le fais vraiment rarement pour un shooting photo, genre. Mais pour sortir, je fais toujours du mat. Hop là. Même en journée, je sais pas si vous avez remarqué, je mets rarement de l'highlighter. En fait, je me maquille que pour avoir... Tiens, mes bébés, je trouve pas mon pinceau à blush de d'habitude, là, le petit. Je le change depuis tout à l'heure, comme ça, je mettrai avec ça. Il est trop beau ce blush. Je vais mettre un peu de lighter. Le Olga, il est incroyable. Et je termine par me mettre du labello. Je ne maquille pas trop mes lèvres en journée. C'est toujours du labello. Celui-ci, je l'ai eu dans la business au KLM. Il est trop bien. C'est un rituel. Il sent bon. Sans les infusions de thé. Voilà. Mais comme j'ai le lip lift. Comme j'ai la coloration, là, le... Comment on appelle ça? Des lèvres. J'ai le contour et l'intérieur. Et bien, j'ai juste avec du labello. On dirait que j'ai mis du gloss coloré. Voilà. Ah oui, j'ai oublié juste de brosser mes cils. Ça, je le fais tout le temps. Et maintenant, mes cils, mes bébés, c'est Lydia qui me les fait à Marseille. C'est la meilleure amie de Mama Tucci. Elle est trop forte. Moi, j'aime trop mes cils. Moi, maintenant, je fais des pics. Elle me fait des picots. Et en fait, elle me prépare mes bouquets avant. Donc, la pause, elle dure 30 minutes. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Super rapide. Ils tiennent trop bien. Par contre, quand on met des extensions de cils, comme moi, on continue, faut les brosser tout le temps. Moi, à chaque fois que je me lave le visage, je les brosse. En plus, je me lave le visage souvent parce que je fais des ablutions, donc je les brosse tout le temps avant de dormir, dès que je me lève le matin, tout le temps. Voilà, c'est bon, je suis prête. J'ai mis un soutien-gorge. Moi, je vais pas mettre de cache-téton parce qu'en fait, il me reste deux paires. Il faut que j'arrive à en acheter. Parce que maintenant, je mets tout le temps des cache-tétons. Il me reste mon sac à je sais pas lequel mettre à préparer. Je mettrai un sac gris, un sac étoupe et top avec quand je mets des bijoux dorés, mettre des sacs avec ouverture dorée. Et quand je mets de l'argenté, généralement je mets pas de boule d'oreille parce que j'en ai pas d'argenté. J'aimerais avoir les mêmes de chez Paradis argenté. Tac. Bon, je vais mettre celle-là, je vais casser avec une rose. Je vais très rarement. Ça y est, je suis prête, mes bébés. Je vais sortir. Mes bébés, vous avez vu le parfum là, je vous ai montré. L'impératrice de Dolce Gabbana.
Vous savez depuis quel âge je le porte sur le bon Dieu Tout-Puissant? Depuis la cinquième. Quel âge t'as en cinquième? 12 ans, 13 ans? Ah ben, depuis cet âge-là. Et en fait, maintenant, ils ne le vendent plus chez Sephora, Marionneau et tout. Ils ne le vendent que dans les aéroports. Donc franchement, je vous recommande, ils sont trop bons, ils sont le propre. Pour vous dire, ça veut dire, j'ai 13 ans, j'en ai 26, ça fait 13 ans que je le porte. Et je l'aime trop, et je m'en lasse pas. En fait, ils sentent l'été, ils sentent trop le propre, je l'aime trop. Et à chaque fois que je vais dans les aéroports, je l'achète. En plus, il est pas cher. Il est à 40 euros dans les aéroports. Mais je vous jure, ils sentent le frais, le propre, j'aime trop. Mes bébés, je suis descendue dans le salon. Il n'y avait pas la clim et Romana elle a ouvert, elle a laissé aérer. Oh, je suis en train de fondre. Là, je viens d'allumer la clim. Il fait trop chaud parce que moi, la nuit, j'éteins toutes les clims de la maison. J'allume que la clim de ma chambre. Bref, il fait trop chaud. Là, je sens qu'il y a la canicule. En plus, là, il est 11h. Ça veut dire que c'est le pic de soleil à Dubaï. Oh, je vais fondre. Je vais fondre. Bon, allez, mes bébés, je vais à mon rendez-vous. Alors, pour une fois que je suis à l'heure. Et ben c'est mon architecte qui était pas à l'heure. Il m'a écrit, il m'a dit qu'il allait avoir du retard. Donc je sortais un peu plus tard de chez moi, j'étais prête à l'heure. Mais en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Hein. Je suis plus en retard. Je me lève tôt. C'est une nouvelle Maëva. Je m'amuse. Se passe dans nos têtes, on opère dans le mal et je suis pas fier. Il s'avère que plein de bouffons font les ouvres. Et que ça, wesh, très tôt on a de nul que ça. C'était pas encore à la mode, non. J'ai pardonné, je peux pardonner le cœur.